mais surtout la maestria et l'agilité des forces spéciales. Perçu comme les ombres agissantes de la guerre moderne, opérant dans le secret et l'efficacité. Avec comme tête de garde le capitaine Souri Diallo. Il s'agit là des troupes embarquées. À présent, devant la loi officielle, c'est la douane qui arrive. Tête de rame, lieutenant colonel Mamadou Sidi Bé. Il faut rappeler et souligner surtout que les soldats de l'économie, comme on les appelle, sont présents sur l'ensemble du territoire national et que ces trois dernières années, la douane nationale a considérablement contribué à renflouer les caisses de l'État. Félicitations. Voilà la police nationale qui arrive avec un drone devant, tête de rame, lieutenant colonel Tamba Robert Milmono, suivi des pick-ups. Et il faut rappeler que les pick-up des brigades spéciales d'intervention de protection BSIP ouvrent donc cette parade et seront suivis de celles des compagnies mobiles d'intervention et de sécurité service. Il faut rappeler que les brigades spéciales d'intervention et de protection BSIP pour la police de proximité constitue les primes intervenants dans le dispositif d'intervention de la police nationale. Les BSIP, brigades spéciales d'intervention et de protection BSIP, une démonstration de force, leur parade, ils trouvent éloquemment, mesdames et messieurs, à combien de fois la police guinéenne. Ce sont des pick-ups des compagnies mobiles d'intervention et de sécurité du groupe de CMIS avec du personnel masculin. Et juste devant vous, c'est la CMFIS, la compagnie mobile féminine d'intervention et de sécurité, composée uniquement le personnel féminin entraîné pour le maintien et le rétablissement de l'ordre public. La marche au niveau de la direction générale de la police nationale, vous apercevez maintenant deux camions lance-eau, toujours engagés dans le cadre du maintien et le rétablissement de l'ordre public. Et deux camions incendie légers sont suivis des deux autres camions toujours incendie, mais cette fois-ci de grande capacité, qu'on appelle des camions lourds. Les sapeurs-pompiers sont très appréciés également. Là, on débute par le véhicule de tête, le pénétrant de surveillance et d'intervention de la gendarmerie nationale, DG. Alors, cette compagnie, donc, relève donc de la gendarmerie nationale, les PC relèvent de la gendarmerie nationale avec la mission de lutter contre la délinquance de voie publique de nuit comme de jour. Voilà, le deuxième véhicule de commandement, la Jacoua GIGN, d'abord le capitaine Ibrahima Khalil Tamara, commandant du GIGN, suivre les photos bien plus humides, piloté par le personnel du GIGN avec une disposition triangle pointe en avant. Progressant également en colonne double, appartenant au groupement de président de la gendarmerie nationale, GBGM, unité récemment créée dans le cadre du maintien et du rétablissement de l'ordre public et surtout
pour mieux protéger nos personnels et de manœuvrer dans des conditions dégradées sur tout type de terrain. Ils sont mis à disposition du GGMF dans le cadre de la sécurité de notre espace maritime. Là, on va parler de transmission à présent. On a accueilli l'armée de terre, mon cher colonel. L'armée de terre, avec un terrain, une quelle générale de transmission. Il est d'abord de ce véhicule de commandement Santana. Colonel Morikaba, en étant témoin de cette parade, on a une seule envie, c'est de rendre hommage au président bâtisseur qui, en 3 ans, a réussi l'exploit de transformer radicalement les forces de défense et de sécurité de notre pays. Fierté et reconnaissance à vous, son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Général de Corps d'Armée, Mamadi Doumbouya. Dans le cadre de la sécurisation de la ville de Conakry. À présent, le pick-up du bataillon spécial de Conakry. BSC. À l'image des autres unités d'infanterie, le BSC utilise aussi les pick-up pour être en crise avec une mission de protéger la population, c'est bien, et l'intégrité territoriale du pays. Il regroupe en son sein plusieurs grandes unités de la capitale, le BSC, mesdames et messieurs. Fierté et reconnaissance, mesdames et messieurs, envers son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Général de Corps d'Armée, Mamadi Doumbouya, pour toutes ces acquisitions qui nous rendent davantage fiers du 5 des invités. France à présent, le BGM, c'est le bataillon du génie militaire. À présent, la rampe de véhicule du bataillon du génie militaire. Il s'agit également de plus comportements de l'actuel fer armé pour nos cabines. Avec nos devises, souvent construire, parfois détruire, toujours servir. Merci encore une fois au bataillon du génie militaire pour votre contribution à la construction de notre très cher pays. Voici le bataillon autonome des troupes aéroportées, avec pour tête de rame colonel Asmiou Kamara, à bord du lacrisère d'Arto double cabine pleine. Toujours dans le cadre de la parade des troupes embarquées distinguées invités. Il est suivi des pick-up Toyota lacrisère pleine par une monocabine. Le Bata est une unité d'élite de l'armée guinéenne, relevant de l'état-major général des armées. Avec ses engins, le Bata a la capacité de se déployer rapidement sur un terrain hostile. Des moyens gigantesques mobilisés afin de réaliser le vœu du président de la République qui veut pour notre très cher pays un vrai programme de développement socio-économique pour les 15 prochaines années dans le cadre du Sicambour, fin 40, distingués invités. On va juste dire merci au général de corps, Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Voilà les moyens de notre pour la République de Guinée, le premier pays de l'Afrique francophone à avoir dit non à la colonisation, oui à la liberté, à la dignité et à la fierté nationale, mesdames et messieurs. 66 ans d'expression de notre souveraineté, ça se fait comme il se doit, et c'est le cas, mesdames et messieurs, à l'occasion de cette parade militaire qui met l'accent sur notre souveraineté en
la voie en montrant le chemin avec cette force de défense et de sécurité fortement mobilisée pour manifester cette souveraineté, mesdames et messieurs. Il faut rappeler que sans une armée forte, opérationnelle, efficace et efficiente, on ne peut parler de sécurité, on ne peut parler d'investissement, on ne peut parler de paix. Parce que la paix se prépare aussi avec des moyens de protection, de sécurité, d'éducation importants. C'est en cela que nous apprécions le rôle de l'armée qui est de garantir l'existence d'un État, de protéger l'intégrité territoriale de notre pays. Puis, passe à présent au mouvement d'intérêt des forces armées guinéennes. Quel de l'âme, colonel David Lama, commandant du mouvement d'artillerie à bord de la Chinoise, suivi des vivants équipés. Ensuite, arrive les Katouchas à partir du Gabibok. Les Katouchas, c'est ça? Oui, les Katouchas. Tout ça pour nous permettre de défendre la première fois les limites de notre territoire. C'est bon de voir l'indépendance. Il faut avoir les moyens de la conserver. Le dire c'est bien, mais en avoir les moyens, c'est encore mieux. Ah oui. Et là, on voit du loup qui arrive derrière. Ça, ce sont des PM 21. Les forces spéciales que vous voyez là. Les blindés qui défilent sous vos yeux, qui sont les invités, pour voir mon fier des Guinéens avoir cette capacité pour les forces de l'Union avec les engins de la génération le 5 septembre. Voyez, comme un véhicule. Il y a le président même des chefs chasseurs, il y a les chiens. Voilà, il y a les hommes, il y a les femmes, il y a les hommes. Il y a des forces spéciales. GFS. Le groupe Yende. On a un robot comme vous aussi, c'est ça? Oui. On va arriver tout à l'heure. Les engins autorisés du mouvement des forces spéciales GFS. Voilà, ce sont les Renault Kango Sinophil. Attendez, si Sinophil transporte le chien, ça c'est doucement. Il y a des moyens. Ce sont les chiens pressés qui sont très efficaces dans les opérations, surtout en matière de recherche. À présent, c'est la police militaire.
À l'occasion de cette parade et son chant autorisé, nous préparons et sécurisés et que les cinq axes pourront être déployés tels les ailes donc d'un aigle qui se déploie afin de mener le peuple guinéen vers la prospérité, afin que notre paradis, cette terre de richesse et d'innovation, puisse permettre à chacune et à chacun d'entre nous de déployer son potentiel. C'est la vision du programme 2040. Simon Bout, 2040, mesdames et messieurs. Un programme qui tient à cœur le président de la République, un programme. Les plus complémentaires, j'aperçois des cougars. Oui. Dans quoi j'ai bien appris ma leçon. Ah oui. Les cougars des GFS, mesdames et messieurs. Mouvement des forces spéciales. Personne n'a été laissé de côté. La police a ses couleurs, la gendarmerie, l'armée de terre, le chef. C'est-à-dire que le chef suprême des armées veille sur toute l'armée. Et quand on dit armée, on parle de tout le monde, de la police, de la douane, des conservateurs de la nature, plus les militaires. Donc le chef suprême des armées, en pensant à ses enfants, a pensé probablement ces véhicules se retrouvent avec tous les morts. Personne ne va se prendre là. Chacun peut se vraiment déplacer pour assurer bien sa mission. L'équité et la justice sociale ne sont pas seulement. Il faut saluer la transformation spectaculaire de cette esplanade du stade du 28 septembre en seulement quelques jours. C'est une œuvre d'un Guinéen qui doit nous rendre fiers. Mesdames et messieurs, le souple présidentiel de se retirer. Nous informons également que plus nous attend au niveau, nous attendons là au niveau du palais du peuple, afin de vous mener au palais Mohamed V, mesdames et messieurs, et que seuls les détentrices et détenteurs de cartes d'invitation pourront embarquer dans les bus. Et pour nous autres, on a le chapiteau derrière. Camarades, regardez, le chef se poursuit. C'est le lieu de saluer le travail exceptionnel et la coordination technique de la ECI. Et quand il y a une je comptais, c'est ce qui s'est souligné. Et bien sûr, la transmission, et bien sûr, la DIFA avec à sa tête. Toumani Camara, je ne sais pas s'il est militaire ou pas encore. Bon, Toumani est quelqu'un qui ne l'a pas, mais il vient de la réfléchir. Mais il a une formation militaire désormais. Justement, oui, pour être le prêtre des forces de défense, il a appris beaucoup de choses. Notamment la discipline. C'est un militaire à guérir aujourd'hui. C'est ce que j'allais dire. Merci, cher Toumani. Merci également aux équipes. Et les conservateurs de la nature et de la garde pénitentiaire pour leur appui inconditionnel au général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Alors, je ne dis pas que nous sommes à la fin des édifiés, j'ai en même temps s'agi tellement. La Guinée d'étude a augmenté de plusieurs niveaux depuis que je suis sur cette esplanade du stade du 28 septembre. Fierté, gratitude et surtout liberté et prospérité sont les maîtres mots parce que grâce au programme Simon.
Commando 2040, la fierté aura tout contenu parce que nous avons émis la prospérité et du développement, chose et véhicule. Et donc, nous ne sommes pas encore prêts à partir parce qu'il y a des Spartans, il y a des Tonfins, il y a des Katouchas qui vont valoriser des Zodiacs et des véhicules drones qui nous attendent encore. Et c'est toujours ici des Koukans qui nous attendent. Ne me dis pas que tu les as comptés. Évidemment. Alors, on m'annonce que tout à l'heure, on était sur des Koukans et que bientôt, nous serons invités à regarder dans le ciel. Il se poursuit à l'occasion de ce 60e anniversaire de notre indépendance avec un mantra s'inspirer du passé pour construire le futur ensemble, la lumière au cœur des célébrations. Mon cher colonel, est-ce qu'on a remercié la croix? Oui, c'est la musique des armées. Ils jouent un grand rôle. Et on sait que leur participation récente au festival des musiques militaires en Russie a été également bien remarquée. On a même les Spartans. On a quitté les Cougars, on est chez les Spartans désormais. Les Spartans désormais, oui. Impressionnant. Mais, toujours avec le groupement des forces spéciales. Les moyens mobilisés en seulement 3 ans, mesdames et messieurs, des moyens qui nous garantissent notre souveraineté et surtout notre chemin vers la prospérité, des moyens qui sont accompagnés de formation, également d'entraînement, parce que avoir. Nous qui avons eu la chance d'assister aux répétitions en préparation, on se rend compte qu'aujourd'hui, nous avons droit au meilleur, en tout cas à une prestation qui va marquer l'histoire et qui va nous rendre davantage fiers, parce que ça se passe de manière synchronisée, de manière disciplinée dans l'ordre et la discipline de la nation. Bravo, chère force armée de l'Union. Nous sommes toujours en compagnie des Spartans, mon cher colonel. Oui, avec le regroupement des forces spéciales. Là, on entend le moteur qui est. On sent que la mélange est bien faite, là, c'est bien huilé. Ce sont presque des camions. Les Spartans, mesdames et messieurs. Les Spartans qui poursuivent leur parade dans le cadre des célébrations du 66e anniversaire de l'indépendance de la République de Guinée. Cette Guinée qui s'est montrée le chemin, cette Guinée qui négocie tout sauf sa liberté, sa dignité et sa fierté, mesdames et messieurs.
sont les Spartans qui effectuent leur parade avant d'enfin, mesdames et messieurs, dans le cadre du passage du mouvement des forces spéciales.